salut à toutes et à tous, ici TCOC Rassemble 7 pour vous présenter un nouveau clip shot. Et oui, j'ai vu vos critiques, j'ai vu vos demandes, et apparemment il y en a qui trouvent que le niveau des clip shots est, comment dire, il ne leur plaît pas, ils voudraient voir quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas répondre à leurs demandes en leur faisant un clip shot d'assez haut niveau. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé celui-ci, et il va donc se nommer Sniper en Force. Donc, comme le titre l'indique, vous avez les snipers d'un côté avec leur fusil de sniper, et de l'autre vous avez la force. Donc dans ce clip shot, on va combiner tout cela pour faire une vidéo assez haut niveau, et j'espère que vous allez cette fois-ci aimer. Vous me direz ce que vous en pensez. Et en attendant, on va lancer la vidéo. C'est parti. On commence donc avec P-Shadow qui est sur l'O3. Un petit retour au son, ça fait pas de mal. Il va se faire un premier frag bien tranquillou. Se faire la technique du lapin comme Kino l'a si bien nommé. Le deuxième frag est juste ici. Et attention, et bim. Voilà, ça c'est du noscope. On va se remettre ça ralenti. Et bim. Voilà, tu l'as mangé ta balle. Mais il s'arrête pas là, il nous envoie un deuxième clip où il se fait un premier noscope. Le deuxième est juste là, il est chaud, il est chaud. Bon, malheureusement, il va pas faire de frag pendant une courte durée. Du coup, on va y passer en accéléré. Mais il va revenir dès maintenant. Et vous voyez le bleu qui est juste là? Eh ben, vous le voyez plus. Et continue. Le deuxième. En noscope, tout simplement. C'est propre. GG. On continue avec BH300K qui va se faire un premier frag au BR. Il va ensuite switcher avec le fusil de sniper et se faire un double kill. Le triple kill est juste en haut. Puis il va sauter et faire un kill en plein jump. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il va continuer le cinquième et juste là, le sixième pour terminer. Il va se faire bien tranquillement avec une balle dans la tête. Franchement, c'était super propre, on va se remettre ça au ralenti. Ce kill en plein jump est juste somptueux. Il va continuer le cinquième et le sixième. Franchement, c'était propre. Un gros GG, mec. On continue avec KFR Destroy qui va se faire un premier frag à l'aide de deux balles. Il va ensuite aller chercher le overshield, se faire un deuxième frag à l'aide de son BR, faire une petite tête bien sympa, faire la technique du lapin. Le triple frag est juste là, et malheureusement pour la chaîne, ça ne va pas marcher puisqu'il va se faire tuer, mais c'était quand même pas mal. On poursuit avec X-Prototype qui a malheureusement oublié son dans sa vidéo, mais c'est pas grave, il va se faire un double frag juste ici. Il va repérer le triple à l'autre bout de la map. Attention, pour le quatrième, il est juste là. Et voilà, tout simplement, à la chaîne. Bon, tu campais, mais on t'en veut pas. Et on finit avec DG Anakul qui va se faire un premier frag au BR lui aussi. Il va switcher avec le sniper, tirer dans les bonbonnes et faire le petit double frag bien marrant. Et attention, ça va aller très vite. 1, 2 et 3. Voilà, tout simplement. On va se remettre ça au ralenti. Le premier au crâne, il se le fait. Le deuxième qui essaie d'aller soutenir, il se le fait aussi. Et le dernier, et bah il est mort aussi. Voilà, c'était super propre. GG. Et donc voilà, ce clip shot est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que le niveau vous aura convenu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Après, à vous de me le dire. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez, même si vous avez des suggestions pour que je m'améliore. Je suis assez ouvert tout de même. Et donc voilà, j'espère que vos vacances se passent bien. Le mois de juillet est en train de passer quand même assez vite, il faut le reconnaître. Donc n'hésitez pas à aller faire du frag sur vos consoles parce que ça va très vite passer, il faut l'admettre. Ouais. Bon, et ben je pense qu'il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir, à nous dire viva l'eau, viva l'eau, viva l'eau. Voilà, tout simplement, je l'ai dit trois fois. Et c'est ce qu'il faut, il faut au moins le dire trois fois par jour. Donc voilà, c'est la nouvelle devise. 3 vivalo par jour, il faut au moins ça. Bon, et ben je vais vous dire à plus, et vivalo !